bonsoir et bienvenue sur la Libre Antenne. Donc ce soir, émission spéciale Voyage Alchimique, nous sommes avec Patrick Burenstenas. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Donc nous sommes vraiment très contents de vous avoir, hein. Je pense que nos auditeurs aussi qui sont très alertes doivent vous connaître. Vous êtes un alchimiste. Certes. Voilà, alors oui. L'alchimie, c'est très dur de parler avec vous parce qu'on pense au mot, à ce langage des oiseaux pour ceux qui savent ce que c'est. Donc à chaque fois, il y a des sens en fait dans les mots que nous utilisons à notre inconscient. Tout à fait. C'est-à-dire inconsciemment, nous utilisons ce langage qui en fait traduit d'autres choses en fait que le sens initial des mots qu'on a utilisé. C'est ça, des mots cachés dans les mots, avec des manières de l'entendre, avec des jeux de mots, avec... C'est à la fois une manière très, très ludique, voire très jouissive de pouvoir transmettre de l'information. Parce qu'on se fait vraiment plaisir, et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, les gens disent « oui, mais c'est léger, c'est pas une bonne manière de transmettre ». Moi, je pense qu'on peut transmettre dans la joie et la bonne humeur, et qu'on n'a pas besoin d'être ascétique, très sérieux, ce qui n'empêche pas qu'on est sérieux dans la transmission ou dans le travail qu'on fait. Mais ça ne nous empêche pas d'être heureux. Et je pense que la langue des oiseaux est une bonne manière d'aborder, en tout cas, la connaissance de ce qu'est l'alchimie, de l'art qu'est l'alchimie. Alors c'est un art, ça c'est une précision très importante, parce que pour beaucoup de gens, voilà, moi je me présenterai comme on va dire hein, la personne lambda voilà, qui découvre, pour moi c'est une science. Et vous me avez dit non, c'est un art. Et vous avez fait une subtilité énorme entre un art et une science, que j'ai trouvé extraordinaire, vous avez dit ce que j'expérimente. Ma propre expérience. Je pense que à l'origine, on n'est pas parti sur le bon pied. C'est-à-dire que quand on a parlé d'alchimie, ou en tout cas quand les modernes parlent d'alchimie, ils considèrent que c'était une proto-chimie. C'est-à-dire que c'était des gens un peu simplets, un peu demeurés, qui connaissaient rien du tout à la chimie, et qu'on découvert par hasard des produits, et que ces produits, maintenant, on sait exactement ce que c'était, on sait comment ils ont fait, on sait mieux le faire. Mais sauf que c'est pas du tout ça. L'alchimiste ne s'intéresse pas à la chimie. Il s'intéresse à une voie métaphysique, c'est-à-dire spirituelle. C'est-à-dire qu'il va avoir un but, son but principal est la quête du bonheur. Et le bonheur ne peut être donné que par l'art, pas par la méthode, pas par la technique. Et la différence justement entre l'art et la technique, c'est que dans l'art, l'expérimentateur a une place dans l'expérience, mais l'expérience a une place aussi dans l'expérimentateur. Alors que la technique, on est témoin, on se regarde en train de faire quelque chose. C'est d'ailleurs la différence qu'on peut manifester tout de suite entre un artiste et un technicien, c'est que l'artiste, il est dans ce qu'il fait, alors que le technicien s'observe en train de faire quelque chose. Et c'est pas forcément un art comme la peinture, comme la sculpture, qui ça sont des arts connus, mais je sais pas, vous êtes en train de faire de la poterie, vous êtes en train de faire de la cuisine, vous êtes en train de faire votre jardin, et vous êtes dans ce que vous faites, c'est-à-dire que vous êtes dedans. À tel point, c'est que moi, si je viens vous voir et je vous dis « qu'est-ce que vous faites ?», vous êtes obligé d'arrêter, de regarder ce que vous faites, de prendre du recul et de décrire ce que vous êtes en train de faire. Ça, c'est un art. Si je vous dis « qu'est-ce que vous faites ?» et vous me dites « je suis en train de régler le boulon de machin, j'ai pris la pelle particulière pour faire un rang et pour mettre... » Là, vous êtes un technicien, vous n'êtes pas un artiste. C'est comme deux cuisiniers. Il y en a un, il va suivre des recettes à la lettre et tout, il va bien mettre le produit. Puis il y en a un autre, il va suivre rien du tout. Et quand il va sentir, il va rajouter quelque chose dedans. Voilà, c'est ça la différence entre le technicien et l'artiste. Et on va le voir d'ailleurs, quand on va voir deux cuisiniers qui ont la même formation, qui ont les mêmes produits, qui ont les mêmes instruments, eh bien ils vont faire deux plats différents. Et il y en a un, on va dire, ah ton plat, il y a un truc. Ben, c'est ça l'alchimie, c'est le truc en plus. Le truc impalpable. Le truc magie, vous parliez de la langue des oiseaux, c'est la magie parce que c'est l'âme agit. L'âme agit. Voilà. Celle-là, c'est énorme. Voilà. Et quand l'âme agit sur tout ce qui est autour de nous, on appelle ça la matière. Donc, vous entendez dedans l'âme à tiers. Donc, il y a un tiers d'âme et deux tiers d'autre chose. Donc, l'âme agit sur la matière. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir une interaction entre l'homme et la matière. Et c'est ça aussi l'alchimie. Entre parenthèses, si on dit la matière, c'est-à-dire qu'il y a un tiers d'âme et deux tiers d'autre chose, donc il y a forcément trois choses. C'est pour ça qu'en alchimie, on parlera toujours de trois passages. Vous entendez pas « sage » comme vous voulez, et c'est pour ça que l'apprenti qui va commencer, ça va être un apprentissage.
Et s'il est un apprentissage et qu'il fait ces trois passages, alors après, il peut disparaître à ce monde et c'est pour ça qu'il trépasse. Parce que trépasser, bien sûr, ça veut dire que j'ai fini de faire ce que j'avais à faire ici. C'est incroyable, c'est toutes ces démonstrations avec voilà, ce langage des oiseaux qui ne peut pas être un hasard. Donc comment c'est né ce langage des oiseaux? Ça s'apprend comment? Déjà, c'est la bonne question. C'est comme l'alchimie. Quand est-ce que c'est né? On n'en sait rien, finalement. Les traces les plus anciennes qu'on a, c'est les traces chez les Sumériens. Pourquoi? Parce que les Sumériens sont les premiers qui font une écriture qu'on peut comprendre. Mais ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y avait pas d'autres civilisations qui nous ont transmis peut-être une écriture qu'on ne peut pas comprendre, ou qu'on transmet rien du tout. C'est-à-dire qu'ils ont disparu complètement sans rien laisser du tout. Donc, ça remonte quand même, hein, parce que ça fait quand même 7000 ans avant notre ère, donc ça commence à faire un petit peu une vraie histoire, quoi, quelque chose d'important. Et on peut dire que cette alchimie qui commence chez les Sumériens, ensuite, voyage partout dans le monde. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ce qui m'a intéressé dans l'alchimie, c'est que ça s'affranchit de toute religion, de toute culture, de tout pays, de tout sexe, de toute couleur. On s'en fout complètement, alors. C'est-à-dire, la seule sanction, c'est le travail. C'est-à-dire cette capacité de recevoir quelque chose et de transmettre quelque chose. Et finalement, le but final de l'alchimie, c'est le bonheur. Alors vous entendez, puisqu'on parle, on a décidé de parler de la langue des oiseaux. Le bonheur, c'est à la bonne heure, c'est-à-dire au bon moment. Sinon, c'est le malheur, voire l'horreur. Et ça veut dire qu'ici, quand c'est la bonne heure, c'est le moment présent. D'ailleurs, quand on fait un cadeau à quelqu'un, c'est toujours un présent. Jamais un passé, ni un futur. Donc, la finalité, c'est, l'alchimie, c'est quoi? Ça vous apprend à vivre le moment présent, et à être heureux dans chaque chose. Et ça, c'est intéressant parce qu'on est aujourd'hui dans une civilisation, où il faut qu'on ait des raisons d'être heureux. Mais si on a besoin d'avoir des raisons pour être heureux, on n'est jamais heureux. Par contre, si on est heureux sans raison, on est heureux tout le temps. Donc, ça, c'est la philosophie. Alors après, dire comment on fait ça, c'est facile de le dire, mais alors il y a des tas de voies, il y en a qui méditent, il y en a qui contemplent, et les alchimistes ont décidé de faire les deux, puisqu'on travaille dans un laboratoire, moitié labor et moitié oratoire. Donc, moitié dans la matière et moitié dans l'esprit. Donc ça veut dire que les deux sont nécessaires. Et c'est pour ça que c'est un art et que c'est pas une technique, parce que ça serait une technique, on serait que dans la matière. Mais ça veut dire qu'il manquerait la moitié, il manquerait quelque chose. Et c'est impossible qu'il manque cette moitié. Le bien, c'est bi-un, c'est-à-dire rassembler deux pour en faire qu'une seule chose. Donc, voilà notre quête. Alors évidemment, pour ça, on a eu des secrets de fabrication, on a travaillé avec des métaux, on a travaillé avec des plantes, on a essayé de comprendre un certain nombre de choses. Puisque quand je vous parlais des trois parties de la matière qui sont autour de nous, eh bien, on s'est posé la question de savoir si tout était comme ça. Si je prends le parquet qui est ici, eh bien, il est bien composé de trois principes. C'est-à-dire un principe qui va être la matière elle-même, un principe qui va être l'énergie qui circule dedans, et un principe qui va être le message qui est à l'intérieur. On va appeler ça le sel, le soufre et le mercure. Si je prends un être humain, le sel, ça serait son corps, le soufre, c'est ce qui circule dedans, ça serait ses émotions. C'est pour ça que quand on les garde à l'intérieur de soi, on souffre. Souffrance, bien sûr. Et l'idée, c'est d'exprimer son souffre pour plus souffrir. Et le mercure, c'est l'esprit. Donc, on voit ces trois principes qu'on va voir dans chaque chose. Une plante, par exemple, eh ben, son sel, ça serait la plante réduite en cendres. Si je la brûle, je peux faire tout ce que je veux, il restera toujours quelque chose. Ce quelque chose qui reste, on va appeler ça le sel. C'est la matière de base. Mais à l'intérieur, il y a un principe actif, puisqu'on peut faire des médicaments avec des plantes, par exemple. Ce principe actif, ça va être, par exemple, les huiles essentielles. Et vous allez entendre essence, ciel. Donc on sait où elles sont. Donc ça veut dire que c'est la partie la plus subtile, la plus volatile. Et après, on a l'alcool tiré de la plante, qui est très volatile. Et c'est l'esprit caché dans la plante. C'est tellement vrai que quand l'alcool, on lui a donné un nom, quand vous buvez de l'alcool, on appelle ça un spiritueux. Mais si c'est un spiritueux, c'est que le spiritus est à l'intérieur. Ça veut dire que l'esprit est à l'intérieur. Ça ne veut pas dire que parce qu'on en boit, on devient spirituel. Hein. Mais par contre, ça nous volatilise, donc c'est sûr. C'est ce qui est le mot. Mais ça veut dire qu'on a bien pris garde, quand on a voulu transmettre les principes qu'il y avait autour de nous, eh bien, de mettre dans les mots qu'on a autour de nous ça. Alors cette langue des oiseaux, elle a commencé quand? Peut-être avec le langage, on ne sait pas. Ça ne peut pas aussi bien tomber à chaque fois. Alors ça, c'est le grand mystère. Ça, c'est le grand mystère. C'est le croyant dira, ça prouve que Dieu est derrière, puisque ça tombe trop bien, quoi. Donc,
J'ai pas de réponse. On peut dire que la réponse, elle est personnelle. Mais en tout cas, la seule chose qu'on peut constater, bah, c'est que ça fonctionne. Ça, c'est sûr. Alors ensuite, il y a des hautes périodes de cette langue-là. Il faut savoir, et vous verrez pourquoi, on en parlera au cours de la soirée, c'est que la connaissance des choses cachées prend une couleur. C'est la couleur verte. Et à chaque fois qu'on va voir cette couleur quelque part, ça nous donne une clé. On doit trouver quelque chose. Il y a une raison à ça. C'est que, pour les alchimistes ou même les physiciens, on considère que notre univers, c'est une bulle. Et que nous, on habite dedans. Mais qu'à l'extérieur, il y a quelque chose. Et peut-être qu'il y a plus de choses à l'extérieur qu'à l'intérieur. Imaginez un océan. Dans un océan, il y a des bulles. Mais l'océan est beaucoup plus grand que les bulles. Et il y a quelque chose d'assez fascinant, c'est que les bulles peuvent être séparées les unes des autres, alors que l'océan fait toujours un. Et ça nous intéresse beaucoup, parce que si je suis dans le 1, je suis plus dans chaque chose, et quand je suis plus dans chaque chose, je suis plus heureux. Parce que finalement, le malheur, un peu pour nous, c'est je suis tout seul, personne ne m'aime. Mais si vous dites, pas du tout, je suis dans chaque chose, et chaque chose est en moi, bon, ça veut dire que c'est merveilleux, hein. Je suis aimé partout. On y reviendra sans doute. On y reviendra. Mais juste, je veux vous dire quelque chose, vous allez voir comment ça marche, on est encore dans la langue des oiseaux, c'est nous, on est enfermés dans cette bulle un peu. On ne peut pas en sortir. Ou on en sortira à la fin de notre chemin. On va faire un trou dans la bulle, puis on va trouver ce qu'on appelle la lumière qui est dehors. C'est pour ça qu'on vous dit persévérer. Percez et vous verrez. Et on va dire percez quoi? Pour voir quoi? Bah, percez peut-être la matière pour voir ce qui est caché derrière. Et quand je vous dis vous, mais où vous habitez? Je vais vous dire à quel endroit vous habitez. Mais si je vous dis quel endroit, c'est quelque part, il y a un envers. Eh bien, notre quête, ce n'est pas la quête de l'endroit, c'est la quête de l'envers. À l'envers des choses est cachée la lumière. Et donc, on va percer l'endroit pour trouver l'envers. Alors, c'est drôle parce que ce vert, voilà, ça y est, on le voit arriver, l'envers. Envers. Mais oui, parce que ça va dépendre d'où on est. Si je suis dans la bulle et que le « où » est vers la bulle, c'est vers où? Mais si je retire le « où » puis que je le mets de l'autre côté, c'est ouvert. Donc, vous voyez, ça va dépendre de l'endroit où on va, soit dedans, soit dehors. Et notre quête est la quête du dehors. Alors vous verrez, cette couleur verte, on va la trouver partout. C'est pour ça que c'est la vérité. Puisqu'on l'entend à la musique, avoir des vertus. Des vertus. Vous entendez toujours la même musique, puis on en verra encore un certain nombre de fois. Alors ceux qui transmettent cette langue, eh bien, ils disent que cette langue, elle est cachée. Donc on l'appelle la langue verte. On va dire, on m'a répondu vertement. Et à l'époque, cette langue verte, c'était une langue de corporation. C'est-à-dire, les gens qui avaient des secrets de fabrication, eh bien, pour pas que les autres l'entendent, ils utilisaient une langue que les autres ne pouvaient pas comprendre. C'est un espèce de patois, quoi. D'accord. Mais le patois, c'est pas toi. Donc, c'est forcément pas nous. C'est quelque chose qui est à l'extérieur. Donc, par exemple, c'était l'argot des bouchers, c'est l'argot des verriers, c'est l'argot des imprimeurs. Seuls eux peuvent comprendre ça. Et d'ailleurs, pourquoi on parle d'argot? Parce qu'à l'époque, c'était les bâtisseurs de cathédrales. Et vous savez, quand les cathédrales ont été construites, au début, elles étaient en romane, c'est-à-dire rond, c'est-à-dire simple. Puis un jour, il y a des modernes qui sont arrivés, un peu les iconoclastes du moment. Ils ont décidé de faire des trucs avec des flammes partout, un truc incroyable. C'était les zozos de l'époque. Et c'était l'art gothique. Et les sauvages, c'était les goths, ceux qui venaient de l'extérieur. Alors évidemment, l'art qu'ils ont montré, c'était l'art goth. Et l'art goth, ça donnait le mot de l'argot. Et l'argot s'appelle la langue verte. Alors évidemment, qui est-ce qui a transmis ça? C'était les troubadours. Les gens entendent trois à l'intérieur, troubadours, ils sont trois, ou ils disent trois choses, puisqu'on sait que le trois est très important. Ça, les troubadours, c'était dans le sud, mais dans le nord, ils portaient un autre nom, c'était les trouvères, les trois fois verts. Et ceux qui étaient trois fois verts ont commencé à transmettre cette langue des oiseaux, c'est-à-dire à travers les chansons qu'ils avaient, ben, il y avait des fois des clés à l'intérieur qu'on ne pouvait pas voir de prime abord. Alors c'est vrai que c'était des secrets de fabrication, par exemple, de corporations, des compagnons qui bâtissaient, mais ça pouvait être aussi une manière grivoise d'entendre les sons autrement. On racontait une comptine, un conte qui était intéressant soi-disant pour des enfants, et puis quand on regardait un peu les mots, on s'aperçoit que ça ne voulait pas du tout dire ça. D'ailleurs, grivois, c'est celui qui voit gris, ni blanc, ni noir. Donc, vous voyez, il est un peu entre les deux.
Non, mais moi je trouve ça complètement incroyable, cette langue des oiseaux. Et alors, l'alchimie, donc elle serait, parce qu'il y a la racine du mot aussi, alchimie, ce serait de alchem, qui signifierait noir, c'est C'est ça? ça. Alors, ça commence, le terme qu'on a le plus ancien, c'est le mot, vient des Égyptiens. Des Égyptiens, voilà. Parce que ça venait évidemment d'ailleurs, mais les Sumériens sont bien antérieurs aux Égyptiens, et les Égyptiens s'appelaient pas les Égyptiens. Nous les appelons les Égyptiens. Mais ils s'appelaient les habitants de la terre noire. Et c'était les Khémis. Et Khémis vient de Khem, qui veut dire terre, évidemment. Alors évidemment, l'alchimiste ne s'intéresse pas à la terre, mais il s'intéresse à ce qu'il y a au-dessus. C'est-à-dire, pas la matière, mais cette matière contient quelque chose. Elle contient une lumière. C'est la quête du Graal, par exemple, qui veut dire la lumière dans la pierre. Et c'est pour ça qu'on fait al-khem. Al, c'est au-dessus. Et al-khem, ça veut dire ce qui est au-dessus de la terre. Donc évidemment, ils cherchent, et les Égyptiens cherchent dans des temples souterrains, comment converser, comment échanger avec les dieux. Et donc, ils vont prendre de la terre, mais ils vont chercher à l'intérieur l'esprit, le spiritus qui est à l'intérieur de la terre. Ils se disent, si on réussit à le faire sortir, ça va nous faire une espèce de ligne directe entre nous et les dieux, et on va pouvoir échanger avec eux. Parce que ce qui m'a aussi beaucoup choqué, c'est de constater que la France était un grand pays d'alchimie. On est un pays extrêmement même influencé par la Chine depuis des Tout siècles. à fait, moi ça m'a pas choqué, ça me fait plutôt plaisir. Ah ouais, non, moi j'ai découvert. C'est vrai, découvert encore. Mais Et ça rentre. Ça rentre. Non, mais c'est extraordinaire quand même. Oui, mais ça. Pourquoi? Parce qu'on est aussi de cette culture, c'est-à-dire qu'on est ici. Mais il y a une alchimie chinoise qui est incroyablement puissante et qui est bien antérieure à la nôtre. Parce qu'ils ont commencé bien, 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 bien avant nous. Et ils ont découvert un certain nombre de choses. Il y a une alchimie hindoue qui est aussi très puissante. Et pourquoi? Parce qu'en plus, l'Inde, c'est quand même le seul pays dans notre culture qui n'a jamais eu de rupture de croyance. C'est-à-dire que depuis que ça a été fondé jusqu'à nos jours, ça fonctionne de la même manière. Alors que nous, surtout en France, on a été, toutes les invasions sont arrêtées ici, ils sont arrêtées à la mer. Hein. Donc on est un mélange de n'importe quoi, ou de tout. Et ce qui est aussi une bonne chose. Mais il faut savoir que l'Europe, le vieux continent, d'abord le bassin méditerranéen, mais ensuite c'est arrivé vers l'Italie avec les voyageurs, avec ceux qui faisaient du commerce. Et puis après, évidemment, c'est arrivé en France. Mais on a des alchimistes belges aujourd'hui, alors que c'est récent comme pays. On a des alchimistes anglais, on a eu des alchimistes irlandais, on a des alchimistes italiens, très très puissants, espagnols, portugais. Mais alors de ces siècles, parce que alors ça, c'est la grande, voilà, la fameuse pierre philosophale et la grande légende, si je peux dire, celle qui a été véhiculée dans tous les films, dans tous les dessins animés, avec transformer le fameux plomb en or et la recette absolue de la richesse qui, après, a fait supputer que même certaines civilisations avaient usé de cette technique pour s'enrichir, etc. C'est quoi? C'est une légende? Bon, on dit souvent qu'une légende, c'est une histoire qu'on a oubliée. Et les légendes, finalement, se basent toujours sur quelque chose d'important. Maintenant, est-ce qu'on a pris la légende au pied de la lettre? Est-ce qu'on l'a compris autrement? C'est une autre histoire. Je pense par exemple à une autre légende, Excalibur. Hein, l'épée plantée dans la pierre, et puis si on est reconnu droit, alors on peut récupérer l'épée. C'est une légende. Mais on peut parfaitement imaginer que les forgerons de l'époque, eh bien, de temps en temps, il y avait une étoile qui tombait sur le sol. C'était un météore. Et ces météores, ils ont une particularité, s'ils arrivent sur le sol, c'est qu'ils contiennent souvent des ferro-nickel, c'est-à-dire du fer, mais allié, donc qui permettrait, si on pouvait utiliser cet alliage, de faire une épée formidable par rapport à ce qu'on savait faire à l'époque. Parce que ces métaux, on ne savait pas les faire. Nous, on utilisait du fer doux, on utilisait du cuivre, on utilisait du bronze, mais en acier, c'est récent qu'on connaisse l'acier. Alors imaginez, il y a un morceau d'acier qui tombe des étoiles comme ça. On ne sait même pas ce que c'est. Hein. Un forgeron trouve que c'est un métal, il réussit à le faire fondre, puis il fait une épée. Vous ne croyez pas que c'est une épée qui est sortie de la pierre? Ah, ça ressemble drôlement à l'histoire d'Excalibur. En plus, cette épée, elle va avoir des particularités que les autres n'ont pas. Parce que c'est un acier. Donc elle va couper les autres comme du beurre, hein, puisque c'est solide. Ça va être dur à affûter, mais une fois que c'est affûté, le fil n'y partira jamais. Puis il y a quelque chose de très intéressant, c'est quand on va la plier, elle va reprendre sa forme en chantant. Donc ça sera une épée enchantée. Ah, alors vous voyez, ça c'est physique, c'est un truc qui est arrivé, mais à partir de ça, imaginez l'homme qui a vu l'ours,
et on lui dit « Ah bah oui, je connais mon arrière-grand-père, il y a une pierre qui est tombée du ciel, une étoile, puis dedans il a sorti une épée de la pierre. » Combien de temps il faut qu'on imagine qu'on a sorti physiquement l'épée de la pierre? C'est-à-dire qu'on n'a pas fondu la pierre pour faire une épée, mais qu'on a sorti l'épée de la pierre. Ensuite on dit « C'est une étoile qui est tombée. » C'est complètement magique, hein. Combien de temps il va falloir qu'on dise « C'est les sorciers, c'est les dieux, c'est qu'on donne cette épée ?» Et à partir de ce moment-là, bah seul celui qui peut l'avoir, c'est forcément quelqu'un qui est droit, parce que c'est une épée qui est donnée par les dieux. Vous vous rendez compte comment toutes les histoires qu'il peut y avoir autour ? Non, mais c'est extraordinaire. Alors ça veut dire qu'il s'est vraiment passé quelque chose ? Et puis peut-être plein de fois, peut-être plusieurs fois, et puis qu'on s'est souvenu de cette histoire, puis on en a fait d'autres histoires quand ça nous arrangeait. Et puis, on en a tiré des légendes. Alors c'est pour vous dire que ce qu'on pense que les alchimistes cherchent, c'est pas forcément ce qu'on cherche. En alchimie, évidemment, transmuter le plomb en or, ça intéresse tout le monde. Sauf que si on faisait ça tout le temps, l'or ne vaudrait plus rien. Donc, voilà. L'or vaut quelque chose que, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais s'il y en avait partout, on ferait des petites cuillères avec. En plus, ça ne serait même pas pratique parce que c'est mou. Donc ça ne servirait pas à ça. L'idée, c'est qu'en alchimie, le mot or vient du mot aor, en hébreu, qui veut dire lumière. Donc l'idée, c'est la quête de la lumière. Et ça, c'est plus la même chose. En plus, ce mot, il se prononce autrement, il se prononce aour aussi. Comme amour. Donc c'est la quête de l'amour. Et l'amour, ça veut dire je vois la lumière dans chaque chose. Entre parenthèses, tout est beau. Et c'est ça finalement la vraie quête, c'est de trouver finalement que tout est beau et que tout est bien fait. Pas que c'est pas convenu, c'est pas une bonne action. Je dois pas trouver que tout est beau, c'est pas New Age, mais ça doit venir de l'intérieur. Je dois regarder chaque chose et chaque personne en disant waouh. Et si je réussis à dire ça et que ça vient de l'intérieur, j'ai trouvé l'or des alchimistes. Qui est vraiment. La lumière est dans chacun, et la lumière est dans chaque chose, et comment je vais la trouver? A tel point, c'est qu'on dit en alchimie, si tu sais faire de l'or, t'en as plus besoin, et si tu cherches pour faire de l'or, tu trouveras jamais. Parce que c'est pas notre but. C'est évidemment, quand un alchimiste dit un jour, je cherche la lumière partout, c'est l'or, je cherche l'or partout, il y en a un qui a forcément compris, cherche de l'or, parce qu'il ne pouvait pas imaginer que ce soit autre chose. Notre quête va dépendre de nos désirs. Mais ça ne veut pas dire que c'est les mêmes pour tout le monde. Et par contre, il y a une autre clé, puisqu'on parlait de la langue des oiseaux, c'est que par moment, l'alchimiste, pour faire son travail, il a besoin d'outils qui sont à l'extérieur, de matériaux. Parce que comme il cherche la lumière, il va falloir d'abord qu'il la trouve quelque part, qu'il la capte. Alors l'art des alchimistes, si vous regardez comment ça s'écrit O-R. O-R. R, ouais. Bah, peut-être que l'or de l'alchimie, c'est de l'eau qui est cachée dans l'air. Puisque c'est marqué. Donc vous voyez, puisque la langue des oiseaux, on pourra l'utiliser aussi lettre par lettre, et ça nous donnera des clés, ça va nous donner la clé des contes de fées. Parce que comment il s'appelle celui qui est dans les contes de fées et qui fait trois épreuves, entre parenthèses, hein? Et puis après, il épouse la fille du roi, puis il vient droit roi lui-même. Le roi, c'est celui qui a la lumière sur la tête. Hein? Il a, en réalité, une couronne, c'est un soleil avec les pointes vers le haut. Hein? Ouais. Donc, il épouse la fille du roi, et il va devenir roi, donc il va recevoir la lumière. Mais comment ça s'écrit? C'est un héros. R-O, le contraire de l'O-R. Et ce héros, il va trouver la lumière. Et il y a une lettre pour définir la lumière. C'est le I, divin, qui vient de I. Et regardez la forme du I, c'est le point et sa manifestation. C'est-à-dire l'unité et comment elle se répand dans le monde. Et bien le R-O plus I devient roi. R-O-I. Et voilà pourquoi on a les contes de fées, voilà pourquoi il a trouvé la lumière. Ça, c'est la quête de l'alchimie, et non pas la quête pécuniaire. La transmutation est la portée de n'importe quel imbécile. C'est-à-dire être capable de prendre du plomb, de prendre du mercure, et de le transmuter en or, je veux dire, c'est pas très compliqué finalement. Mais c'est pas pour ça qu'on a compris même la voie philosophale et la pierre philosophale. Ah oui, parce que alors c'est dû quand même attiser des convoitises à l'époque, enfin... S'imagine dans des temps plus anciens, on ne pouvait pas, je sais pas, dire aux alchimistes, bon bah, je vous laisse tranquille, mais j'ai besoin de quelques lingots, quoi. Ça s'est fait, plein de fois. Alors il y a eu une foule de charlatans, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont dit, il n'y a pas de problème, je vais vous faire de l'or, mais avant il va falloir me nourrir, me loger, satisfaire mes besoins. Et il y en a qui l'ont fait, hein, face à des grands personnages. Alors évidemment, au bout d'un moment, quand ils voyaient qu'il n'y a rien qui venait, généralement ils finissaient mal. Parce qu'il y avait un châtiment qui était prévu pour les faux alchimistes, c'est de les pendre habillés avec un costume doré. Pour montrer justement, oui, mais c'était une vraie punition qui était marquée dans le codex, où on disait, c'était un texte de loi, où on disait, si c'est un faux alchimiste et que c'est prouvé, alors
Le seigneur peut le prendre. Bah oui, parce qu'ils avaient un peu profité. Hein. Mais ils n'étaient pas recherchés alors, les alchimistes? Alors, les vrais alchimistes. Alors, il faut savoir quelle époque. Faut savoir de quelle époque on parle. Hein. Bah, je veux dire, c'est oui. très vaste. Hein. Ouais. On peut dire que les alchimistes sont tranquilles jusqu'à 1229. Parce qu'en 1229, il y a l'Inquisition qui arrive. Et qui dit Dieu a caché des secrets dans la matière, c'est pas à l'homme d'aller y voir. Et à partir de ce moment-là, les alchimistes. Eh ben, ils vont fouiller la matière pour trouver ce qu'il y a dedans. Et avant, il y a eu des tas d'alchimistes qui étaient même des religieux. Parce que faire de l'alchimie, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la sorcellerie. Ce n'est pas invoquer des forces maléfiques pour nuire à son voisin. C'est montrer que la lumière est dans chaque chose. Alors forcément, les religieux montraient comme ça que Dieu était dans chaque chose. Donc ça allait complètement avec une vision religieuse. J'ai eu une discussion il y a peu de temps avec un musulman croyant, et qui dit, dans le Coran, il est marqué qu'on ne peut pas faire de magie, qu'on ne peut pas faire de sorcellerie, et pourtant, l'alchimie, moi, ça m'intéresse, comment je fais? Et je lui ai cité 10 alchimistes arabes qui étaient des bons croyants et qui faisaient de l'alchimie quand même. Parce que ça n'a rien à voir. Montrer que Dieu est dans chaque chose, je veux dire, ça va dans le sens de tous les messages de tous les prophètes. Alors, ce qui veut dire que les alchimistes étaient souvent médecins, apothicaires, astrologues, astronomes, c'était les mêmes. Parce que c'était des lettrés, et parce que quand quelqu'un avait besoin d'un médicament, on n'allait pas à la pharmacie pour l'acheter, il fallait le fabriquer soi-même. Ouais. Et pour le fabriquer soi-même, bah, il y avait des règles, qui étaient à la fois des règles mécaniques, mais des règles mystiques. C'est-à-dire qu'on disait, telle plante, il faut l'accueillir, par exemple, quand il y a de la lune, et que la lune est montante. Et à ce moment-là, c'était un rituel. On sait aujourd'hui que ce n'était pas seulement un rituel, parce que selon la position de la lune, la qualité de la plante ne va pas être pareille. Donc on peut imaginer de l'extérieur que les gens saluaient des dieux bizarres, mais qu'en réalité pas du tout, c'était la bonne période de temps pour cueillir la bonne plante. Et à partir de ce moment-là, c'était des gens qui étaient aimés par tout le monde, parce qu'ils guérissaient les gens, parce qu'ils soignaient les gens, mais qui étaient aussi intéressants. C'est-à-dire que les puissants voulaient qu'eux ils soient soignés aussi, hein. Vous vous rendez compte, moi je suis puissant, je vais mourir comme un paysan, ça se peut pas. Ouais, ouais. Donc il faut qu'on puisse me donner des choses particulières à moi, donc je vais avoir mon magicien qui est à côté de moi, mon sorcier et mon alchimiste. Et effectivement, il y a des gens de pouvoir qui disent, bah c'est vrai, vous savez faire de l'or, donc bah, on va remplir les caisses, c'est une bonne idée de faire ça. Et le pire, c'est qu'on pourrait le faire, c'est-à-dire qu'on pourrait vraiment transmuter du plomb en or. Mais aucun alchimiste bien né le ferait pour des tas de raisons. Donc jamais aucun alchimiste bien-né ne l'a fait. Quoique, on retrouve en Allemagne, par exemple en Bavière, dans le trésor de Bavière, de l'or qui est une drôle de particularité. On retrouve une médaille à moitié transmutée, c'est-à-dire qu'il y a la moitié qui est en plomb et l'autre moitié qui est en or. Ça se peut pas. Ce qui veut dire que forcément, il y a un alchimiste qui, pour faire plaisir, mais il y a une raison, c'est qu'après 1229, les alchimistes sont persécutés. Donc il y en a qui décident de partir. Et il y a des puissants, en Allemagne par exemple, qui disent « Venez chez nous, il n'y a aucun problème, ça nous fait plaisir. » En espérant, bien sûr, qu'ils leur donnent un petit coup de main et qu'ils leur permettent de découvrir des choses. Alors les alchimistes n'ont jamais donné l'or, mais ils ont donné d'autres choses. Ils ont apporté des grandes choses à l'humanité, mais sans le chercher. Par exemple, les alchimistes chinois se rendent compte que quand on travaille sur la matière, qui est un métal, eh bien il va falloir monter à des très hautes températures. Alors ça pose pas forcément des problèmes d'atteindre de hautes températures. Ce qui pose des problèmes, c'est le contenant. C'est-à-dire, dans quoi on va le mettre pour pas que ça fonde. Ouais. Si le creuset il fond, ce qu'il y a dedans, ça fond aussi. Alors ils ont tout essayé. Ils ont pris des terres qu'ils trouvaient autour d'eux, et un jour, par hasard peut-être, ils sont trouvés sur une terre particulière qui, au lieu de fondre, s'est vitrifiée. Et ils venaient d'inventer la porcelaine. Et ça leur a donné beaucoup plus d'argent que tout l'or du monde. Parce qu'ils ont eu le monopole de la porcelaine pendant des siècles et des siècles. Et à un moment, il y a justement un alchimiste qui se fait prendre par des occidentaux, et on lui dit, bah, si tu veux être libre, il faut que tu donnes le secret de l'or. Alors il ne peut pas, il ne veut pas donner le secret de l'or. Alors il dit, bah, je ne vous le donne pas, mais par contre je vais vous donner un autre secret, et ce secret va vous rapporter plus, mais à condition que vous me laissiez partir. Alors ils disent d'accord, et il leur donne le secret de la porcelaine, et c'était les ducs de Saxe. Et qui ont fait la porcelaine de Saxe, et qui leur a rapporté beaucoup plus que tout l'or du monde. C'est une histoire extraordinaire. Parce que, alors aussi, l'alchimie, je me rends compte qu'elle a influencé, puisqu'on en trouve des traces
Alors ça, on le voit dans un documentaire hein, auquel vous avez participé, où vous faites un long voyage alchimique depuis Bruxelles, en passant par le Mont-Saint-Michel, la cathédrale Notre-Dame, vous allez ensuite à Chartres, vous allez à Rocamadour, et puis ensuite à Saint-Jacques-de-Compostelle. Enfin, c'est un parcours initiatique. Bien sûr. Mais alors, ce que vous expliquez d'ailleurs dans ce documentaire, c'est que ce parcours-là, les gens le faisaient à pied avant réellement. Oui. Et même si on le fait aujourd'hui, la meilleure manière de le faire, c'est de le faire à pied. De Bruxelles à Saint-Jacques de Compostelle. Oui, de Bruxelles, d'où on veut, je veux dire. Oui, enfin, ouais. Le pèlerinage a deux raisons. La première, ça pourrait être aller chercher la matière première du grand œuvre à l'endroit où elle est. Et cette matière, on en trouve à Saint-Jacques de Compostelle, mais pas que là. Et c'est pas le plus intéressant, ça. C'est pas le plus important, parce que finalement, cette matière-là, on la trouverait partout ailleurs. On peut dire que le pèlerinage, il a un vrai sens. Aujourd'hui, quand on fait ce pèlerinage de Saint-Jacques, on le fait pour des raisons religieuses, on le fait pour des raisons psychologiques, j'ai envie de quitter ma vie d'habitude, j'ai envie de faire autre chose, on le fait pour des raisons sportives, je vais faire 30 km par jour. Mais pour moi, c'est pas du tout ça. Le pèlerinage doit nous faire passer à travers le temps qui passe. Nous, on a un problème dans notre vie de tous les jours, c'est qu'on a des montres partout, et c'est qu'on est piégé par le temps. Et on regardait les civilisations, au début on comptait en lunes. Ça va, hein, tu viens quand? Bah, dans trois lunes. Bon, ça va, on était tranquille. Après, on a compté en jours. Après, on a compté en heures. Après, on a compté en minutes, en secondes. Et aujourd'hui, il n'y a pas une montre qui n'a pas un chrono qui compte au centième. Donc ça veut dire qu'on est soumis à un temps qui court en permanence. Mais je vous rappelle que le bonheur, c'est le moment présent. Et notre quête, c'est la quête du présent. Comment voulez-vous avoir la quête du présent en étant soumis en permanence à un temps qui file et qui est mesuré à chaque seconde? C'est pas possible. Donc, il va falloir échapper à cette horloge. Et faire le pèlerinage, c'est une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'on va d'abord commencer, je veux dire, comme un vulgaire. C'est-à-dire qu'on va se dire, faut que je fasse 20 ou 30 km par jour pour arriver au bout, et j'ai tant de mois pour le faire. Ouais. Et les gens qui font ça, finalement, ils peuvent rester chez eux, hein. Ils font ça sur un tapis, ça marchera pareil. Hein. Là, c'est l'exploit. Par contre, qu'est-ce qui va se passer? Je vais marcher comme ça un jour, deux jours, trois jours, puis à un moment, je vais me trouver un endroit qui est superbe, qui est merveilleux. Et au lieu de marcher, je vais m'arrêter. Je vais m'asseoir et je vais contempler. Et je pense que le pèlerinage, c'est une école de contemplation. Contemplation, ça veut dire l'ouverture du temple. C'est marqué. Et le temple, on n'a pas besoin d'aller dans un endroit fait pour, puisque je vous rappelle que ce qu'on cherche, c'est à l'envers. Mais c'est la capacité de trouver la beauté partout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'assois et je ne fais rien. Mais par contre, tout ce qui rentre dans tous les sens, je le laisse rentrer. C'est ça la contemplation. Je n'attends rien, je ne désire rien et je ne m'ennuie pas. Parce que celui qui s'ennuie est ennui. Alors que là, nous, on cherche la lumière. Donc ça veut dire que si je suis capable de faire ça, sans m'ennuyer, ça veut dire que je trouve la beauté tout autour de moi. Combien de temps je vais rester là? Ben, j'en sais rien. Et c'est ça qui est beau. C'est que finalement, c'est le lieu qui va me nourrir, qui va me donner, qui va me remplir, et qui va faire qu'à un moment, quand je vais être plein, je vais continuer le chemin. Et ce chemin, il va s'arrêter à un endroit, d'ailleurs c'est marqué dans le mot, on croit que ça s'arrête à Saint-Jacques de Compostelle, mais non, ça s'arrête à un village, à un endroit qui s'appelle Fisterra. Et Fisterra, c'est le nom latin qui a été transformé de Finisterra, c'est-à-dire l'endroit où la terre se finit. Comme le Finistère, en français. Mais bien sûr, c'est pour ça que ça s'appelle le Finistère. Ah ben oui, le Finistère. Puisque c'est là où la Terre se finit. C'est incroyable. Ça veut dire que quand j'arrive à cet endroit-là, à l'endroit où la Terre se finit, bah, je commence à voir l'envers, justement, l'autre côté du monde. Et pour les anciens, c'est là où le soleil tombe dans la mer. Puisque regarder un coucher de soleil à Fisterra, c'est la fin du pèlerinage. Et ça, c'est un moment immense, merveilleux, extraordinaire, incroyable. Le temps qui passe, on s'en fout. Et d'ailleurs, vous remarquez quelque chose d'important, c'est que le bonheur, à chaque fois que vous avez vécu un moment de bonheur, vous étiez immobile. Je ne parle pas de plaisir, je parle de bonheur. Le bonheur, il y a trois conditions. Immobile, silencieux et aligné. Et bien, si vous résolvez ces trois solutions-là, eh bien, vous trouvez le bonheur. Qu'est-ce que ça veut dire immobile? Qu'est-ce que ça veut dire silencieux? Et qu'est-ce que ça veut dire aligné? Quand je ne le sais pas intellectuellement, le fait de faire le pèlerinage, c'est que je vais me retrouver dans cet état sans même me poser la question. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et quand je vais revenir de ce pèlerinage, je ne serai plus jamais pareil. Plus jamais je mesurerai le temps de la même manière.
je viens d'acquérir cette capacité au bonheur. C'est-à-dire cette capacité de m'arrêter un moment et de faire « Waouh, ça c'est extraordinaire !» Voilà à quoi sert le pèlerinage et voilà pourquoi on le fait. Moi, je pense que l'alchimie, la principale chose, c'est de retrouver sa faculté d'émerveillement. C'est de dire pouvoir s'arrêter comme un enfant. Vous savez, on lui offre le dernier cadeau à la mode, merveilleux, extraordinaire, formidable, puis il joue avec la boîte. Et on va dire, bah alors, ah, il est méchant, il n'a rien compris. Non, c'est parce que c'est notre désir. Mais lui, s'il est heureux de jouer avec la boîte, bah, merveilleux, formidable. Je veux dire, on ne peut pas imposer nos désirs. Et c'est pour ça que la quête du philosophe, c'est ne plus avoir de désir. Ça ne veut pas dire que je me prive de tout, hein, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Mais ça veut dire que je prends tout ce qui passe. Mais par contre, dès que ça me dépasse, je le lâche. Je ne suis pas attaché aux choses. Mais par contre, je ne désire rien, parce qu'à force de désirer des choses, moi, je sais pas, je désire un truc, puis ça ne vient pas. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je viens de libérer de la place pour que ça vienne. C'est-à-dire, quand vous désirez quelque chose, vous l'attendez. Donc, on vous fait de la place. Mais si ça ne vient pas, ben, il reste que le trou. Et à force de désirer des choses qui ne viennent pas, ben, vous êtes plein de trous. Et à force d'être plein de trous, vous êtes avide, forcément. Comme le nom l'indique. Alors celui qui est avide, il va pas aimer son voisin. Pourquoi? Parce que si lui, il a des trucs et que pas lui, il va dire c'est pas juste. Pourquoi lui, il a, puis pas moi? Alors que si vous êtes complet, si vous êtes plein, bah vous aimez tout le monde. Si quelqu'un a quelque chose, tant mieux pour lui. C'est merveilleux. Et puis évidemment, celui qui est vide se plaint tout le temps, forcément. Celui qui est vide se plaint. Donc cette idée, ça va être de se remplir, ça va être d'être joyeux, ça va être d'être heureux. C'est ça aussi la voie. C'est pas une voie ascétique, où on se flagelle, où on dit du mal de son voisin, où on est envieux, ou pas du tout. C'est une voie où, je veux dire, on est pour le bonheur de tout le monde. Mais c'est donc une véritable, pour moi, alors dans ce cas, c'est une véritable quête de spiritualité pour l'élévation de l'âme, un peu. Ou... Absolu. Je veux dire, c'est le but du jeu, c'est je suis dans chaque chose et chaque chose est en moi. C'est ça le bonheur. Vous êtes à votre place. Tout est à sa place, vous aussi, mais vous ne savez pas pourquoi. Et si vous posez la question de savoir pourquoi vous êtes bien, vous ne l'êtes plus. Vous voyez qu'il y a bien deux choses. Il y a « je perçois sans analyser » et « j'analyse sans percevoir ». Et on ne peut pas faire les deux ensemble. Et c'est ça le problème. Souvent, nous, on veut toujours des réponses à nos questions. Et pourquoi, et comment, et qu'est-ce que ça veut dire, et qu'est-ce que c'est. Mais moi, je peux regarder le soleil sans savoir comment il fonctionne et être heureux. Par contre, celui qui va se poser la question de savoir, oui, mais alors comment ça marche, c'est de l'hydrogène qui se combine pour faire de l'hélium. Mais qu'est-ce qu'il va avoir de la beauté du soleil? Rien. Donc il y a vraiment cette espèce de dichotomie. On a notre mental qui est un outil extraordinaire qu'il faut utiliser, mais pas tout le temps. Et le mental, il est chronologique. Vous voyez? La logique du temps. Alors que nous, on dit qu'avec le pèlerinage, le but du jeu, c'est de ne plus avoir cette notion du temps. Quand on fait de l'alchimie et qu'on se dit « il faut que je fasse ça aujourd'hui, que demain je fasse ça, puis après-demain j'aurai fait ça », c'est faux. C'est pas de l'alchimie, c'est de la technique. L'alchimie, c'est « je fais quelque chose, puis on verra bien ce qui se passe. J'en sais rien. Est-ce que ça va marcher un jour? Je m'en fous. C'est pas mon problème. Par contre, les choses, je vais les faire avec cœur, je vais être à l'intérieur de ça et je vais goûter chaque chose. » C'est quand même vachement plus sympa. Bah c'est ça qui est assez extraordinaire. Mais cette philosophie, enfin cette philosophie, cet art... Il s'est transmis donc de façon orale, vous m'avez dit, et non pas. Donc il y a des signes gravés dans la pierre hein, sur les monuments, mais pourquoi il faut que ça reste indéchiffrable pour le commun des mortels?